suis Grégory Louis, je suis le fondateur de la société Entomopharm. Entomopharm est une entreprise qui développe des matières premières issues de l'insecte. Donc ces matières premières sont des farines, des huiles et des engrais qui vont être distribués donc sur les marchés de l'alimentation animale, la nutrition végétale ou encore les marchés cosmétiques. On a un modèle de développement qui est assez particulier puisqu'on va décentraliser notre production chez des agriculteurs. Donc on va sélectionner des agriculteurs partenaires, donc des entomopharmeurs, qui vont pour nous donc, recevoir donc, des œufs d'insectes. Ces œufs d'insectes vont se transformer donc, en larves d'insectes et ces larves d'insectes vont nous permettre donc, de produire nos matières premières. La particularité de ce modèle est intéressante, pourquoi ? Puisque l'agriculteur va pouvoir se constituer un revenu complémentaire qui va être garanti puisqu'on va contractualiser donc, avec lui une valeur de rachat pendant 5 ans. Ensuite, donc, par tacite reconduction, il va pouvoir aussi recevoir encore donc, ses larves d'insectes. Et pour nous, donc, c'est de rapprocher l'entomofarming, donc la culture d'insectes, du territoire français. C'est bon ? L'intérêt pour Entomopharm d'être au Salon de l'agriculture, c'est d'annoncer le lancement donc, de son modèle à l'échelle nationale et donc de déployer donc, 5 sites en France qui vont pouvoir alimenter une centaine d'agriculteurs chacun. Donc si vous voulez devenir entomofarmeur, cliquez sur Internet, allez sur notre site entomo.farm, envoyez-nous un email et là commencera le processus pour devenir entomofarmeur. Merci.